Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Épisode 3 de Evil West, on continue. Alors rappelez-vous, la dernière fois, on s'est fait attaquer par la fille de Peter Benalo, je crois. Alors, Peter Benalo, c'était qui? C'était lui. On lui a coupé la tête, d'accord. Et donc sa fille, elle, Felicity D'Abano, nous a attaqué avec une horde de vampires. On a fui, notre père a été gravement blessé. On a pu le sauver. Il est à deux doigts d'y passer quand même. Et donc là nous nous retrouvons ici avec mon magnifique gant électrique. Et ça c'est beau. Je suis quand même mort pas mal de fois aussi. Ah bah, voilà les nouvelles créatures que nous avons affrontées. Apparemment ils font des expériences avec. Y a-t-il des choses à ramasser là? De l'argent, 48$, je prends. Et pareil, merci pour les quelques commentaires que vous mettez. C'est souvent les mêmes qui commentent, mais bah, je vous remercie. Il y a une fille, donc Delphine l'hirondelle, je crois, l'hirondelle, qui commente pas mal mes vidéos de Halo, donc merci à toi. Il y a, alors je sais plus ton nom, à chaque fois j'oublie, mais je sais qui tu es. Qui commente souvent mes vidéos de Starfield, même Halo aussi. Pareil, toi, je te remercie. Et puis, les gens qui s'abonnent au fur et à mesure du temps, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et j'essaye de vous répondre quand je vois vos commentaires, parce que j'ai pas tout le temps les notifications, c'est très bizarre. Voilà, dès que je les vois, je vous réponds. Après, si je vous réponds pas, c'est normal, c'est parce que c'est soit avec le travail, bah, j'ai pas le temps, parce que, voilà, je vis pas de YouTube, hein, ça se serait. Et je fais beaucoup d'heures de travail. Hein. Du lundi au vendredi, je dois faire 9 heures de taf. Parce qu'il faut bien payer le loyer et la bouffe. Et donc, des fois, j'ai pas trop la tête à être sur YouTube. Et voilà, mais en général, je réponds à tous les commentaires qui me sont écrits. Et j'essaierai toujours de vous répondre un maximum. Non, je vais pas réinitialiser. J'ai jamais compris pourquoi dans les jeux on pouvait réinitialiser ses compétences ou ses améliorations. Enfin, après c'est mon avis, mais je pars du principe que à partir du moment où tu choisis une compétence et une amélioration, c'est parce que cette compétence ou amélioration te plaît, autant la garder, quoi. Bien. Réunion de groupe. When I got your goddamn gilded invitation, I expected champagne and canapés. Instead, some fang fuck broke into your headquarters and slapped you all around like a gaggle of whimpering sissies. Now the entire country is left unprotected while I stand here with my dick in my hand like an idiot. So again, could someone please tell me how the fuck did this happen? Security services were redirected to protect our most valuable asset. And how the fuck wasn't that me? That was my father's call, and it was Agent Gravener's quick thinking that saved your life, sir. For all the fucking good it'll do once I tell the Capitol that its primary defense against all kinds of monsters just collapsed. We'll take care of it, sir. What, from here? This place is a shithole at the edge of fucking nowhere! And don't be fooled by our humble trappings, Secretary Harrow. Calico Cell has the highest survival rate in the Institute, as well as its very best engineer. We are your only chance of turning this around. Then I expect a report on those tick assholes on my desk first thing, Doctor. And who the fuck are you? Alors lui déjà je l'aime pas. Wait a minute. I'm the best engineer? You better be, because we need this thing operational as soon as possible, before Harrow comes back to string us all up. Harrow can suck my... How bad is it? Well, the glamour disruptor's fried. Then we have the insulation around the power coupling. Can you fix it or not? It's doable, but I'll need time. A few weeks, a month tops. We ain't got that long. We have to be ready to take down this Felicity character when we find her.
You mean if we find them? We have no idea where to even look. Not necessarily. Du coup, la fille de Peter sera la grande méchante du jeu. The unimaginative locals call it the Devil's Pass, and reports mention possibly unknown vampiric specimens. We chalked it down to hearsay, but now we sent our top sanguisuge expert to investigate. I hope by expert you mean a field agent and not another bookworm. Scott Bloom co-wrote the Institute's sanguisuge bestiary. We need soldiers, not pencil pushers. I can't run around looking for a missing egghead, hoping that maybe he brings something to the table. When did he last report? 5 days ago. I was just hope he's lost in research. Bon, du coup, il faut que je retrouve l'agent Scott Bloom. Alors, c'est beau sans être beau. C'est très bizarre. Allez, quand tu regardes ici. Bon, après, c'est des canyons, donc il n'y a rien de... Voilà, mais on va dire, il y a... Enfin, c'est pas moche, quoi. Par contre, quand tu regardes ici... Ouais, non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Quand tu regardes là, c'est vraiment dégueulasse. Bien. On va se contenter... de regarder tout ce qui est texturé. What did you walk into? Je suis pas non plus le Hooper à chialer quand il voit une texture un peu foutax. J'ai rien contre les Hoopers, j'aime bien le regarder. Mais vous savez quoi? Au début, je pensais que Evil West était un... Pas un open world, mais un semi-open world. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est vraiment des niveaux. Niveau cinématique. Et c'est pas plus mal. Headshot. T'as rien à me filer, toi? Bon. Alors, je peux passer par là. Mais je peux aussi aller là. Ok. C'était juste pour des dollars. L'effet est cool là sur les murs. C'est pas lui quand même. Merde, putain, chaque fois je vais appuyer sur X parce que j'ai envie de recharger mon arme. J'ai ce réflexe de vouloir recharger mon arme. Attends, donc tu as certaines créatures qui peuvent se déplacer au soleil. Ah, bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Putain, je prends cher. Ils sont costauds, ils sont rapides. Putain, j'ai le temps de rien faire.
uppercut qui n'a pas marché. Putain, les ennemis sont tendus quand même. Putain, certains ennemis, en plus d'être rapides, te font hyper mal. Alors là, pareil, là, je peux passer par là. Et je peux... Non, ok, bon, il n'y a qu'un seul chemin. Coffre unique. Les coffres uniques sont généralement cachés en dehors du chemin principal et coûtent des améliorations d'armes, des atouts et des points d'atouts. C'est magnifique ça. Donc là j'ai trouvé un truc flambé spectaculaire. C'est quoi? C'est une amélioration que j'ai trouvée ou c'est une... attendez. Écrasement du foudroyeur. C'est pas mal ça. Ok. Ah c'est ça. Le rayon de dégâts de toutes les caisses de TNT est augmenté de 50%. Fonctionne aussi avec l'atout sur dosage. Ça peut être pas mal ça. Ah mais en tout je peux trouver 4 coffres. D'accord, donc en gros c'est des points de compétence que tu dois trouver dans les niveaux. Ok. C'est quoi, j'ai bien envie de prendre ce truc. Faut viser un ennemi. Parce que sans vrai, ça peut être pas mal. Hein. Ah, je sais pas quoi prendre. Ça peut être pas mal ça aussi. C'est qu'on va prendre ça. Ok. Donc là va falloir que je tape au bon timing pour faire plus de dégâts. Oh shit, shit, shit! Get the rocks ready! Get in place, assholes! Wait for my signal! Ready! Attendez, est-ce que je peux aller par là? Dead end. Fuck, y'a que dalle. Gotta find another way. Hope I'll find some trace of Bloom. Bon, là y'a des bandits. Messieurs les bandits, bonsoir. Come on!
Ah merde, ça a pas marché. Qui m'envoie ça dans la gueule là? This canyon is protected like some kind of vault. What are they hiding here? Oh oh. Elle est là. J'avais pas vu le coffre là. More money. Ah, c'est joli là. Bon, je le répète, hein, quand je dis c'est joli, c'est pas forcément parce que c'est beau graphiquement. Hein. C'est juste qu'il y a une direction artistique qui me plaît. Enfin, en tout cas, après, c'est mes goûts. Hein. Dégâts qui te mettent dans la bouche. Par derrière et tout. Oh là là. C'est moi qui est mauvais. Hein. Là pour le coup, il y a rien à dire, c'est moi qui est mauvais. J'esquive mal, j'utilise pas assez mes parades. J'ai trop envie de rentrer dans le tas, alors que c'est... Faut pas faire ça, quoi.
d'eau en plus. Putain, les chiens! Et voilà. Ils sont tellement rapides. Oh là là. Ah, je suis mauvais. Hein. Les dégâts que tu prends. Mon Dieu. Putain, mais quand t'es entouré d'ennemis comme ça, les mecs te tapent tous en même temps, plus les trucs qui volent, qui te tirent dessus. J'avoue que par moments c'est chaud quand même. Avouer qu'il y a moi aussi qui est pas très bon. Ah, d'accord, ok. Bien, où est cet ennemi? Il est là. Électrocuteur. Électrocuter les ennemis massifs. Ok. J'ai esquivé. Ah putain, l'enfoiré. Mais les mecs, je bourrine. Ah, mon perso reste sur place. Oh là là. Mais... Hey, je vous assure.
que c'est vrai. J'ai bourriné A comme un gros sac à merde en mettant mon stick sur la gauche. Mon perso n'a fait aucun dash, aucune roulade, il est resté sur place. Vous avez vu ça? N'importe quoi! C'est la fin, mon gros. Bon, là, pareil, j'ai mal joué, mais franchement, les ennemis sont... En tout cas, celui-là, il est costaud. Hein. Money. De toute manière, là, j'ai un nouvel atout. Enfin, j'ai un point de compétence. Tuer un ennemi électrocuté fait apparaître une dose d'énergie. Ouais. Ça, c'est vrai que ça peut être cool quand même. Ça, c'est quoi? Appuyez sur RB pour détruire les projectiles arrivant dans votre direction. Oh, ça peut être bien, ça! Ça peut être cool. Ok. Tu as mis dans les airs à 100% de chance de faire apparaître une norme d'énergie, ouais, ça. Ça, on verra ça plus tard. Toucher le point faible d'un ennemi à 15% de chance de faire apparaître une dose de santé, ça peut être cool. Vous savez quoi, on va prendre ça. Amélioration.
L'utilisation de l'extracteur et du propulseur de foudroyeur suralimente le gantelet, ce qui augmente considérablement les dégâts du mêlé. Ça peut être cool, ça aussi. Ça peut être cool. On verra ça plus tard. Et ça, mécanisme de rechargement amélioré de la pétoire qui permet de réduire son temps de recharge de 20%. Ça peut être cool, ça. Je vais prendre ça. Ok, il me reste 4201. Et je vais prendre ça. Maximum de dégâts. Le bestiaire est plutôt cool aussi. Hein. Il y a vraiment pas mal d'ennemis. Oh oui, 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 oui. Fusil fantôme. Fusil fantôme. Quoi, le fusil fantôme? Des fois tu trouves des trucs, tu sais même pas c'est quoi. Attendez, attendez, attendez. Putain, c'est bizarre, hein. Des fois tu trouves des trucs, tu sais pas ce que c'est. Parce que là, j'ai rien finalement ici. Bon, écoutez, on verra ça plus tard. Where the heck did it go? Yeah, looks like I'm getting closer to its nest. Ça va être la merde. En plus, il y a plein de cadavres, ça annonce rien de bon. Oh, what a stench. Ça sent la merde. Nouvel ennemi. Il a pas l'air content. Je l'ai raté. Je l'ai encore raté. Bien joué. Oh mais non! Alors lui, cet ennemi-là, on peut même pas l'électrocuter quoi. Merde, je te fais de touche encore. Putain, mais des fois ça marche pas le truc. Là.
toi. Oh putain, j'ai eu chaud. Imaginez deux ennemis comme ça qui t'attaquent en même temps, plus des petits mobs à côté, mais laisse tomber toi. En plus, j'ai réussi à le parer une seule fois en l'électrocutant. J'ai réussi qu'une seule fois. J'ai l'impression qu'il faut vraiment faire des parades parfaites. Chose qui est quasiment impossible. Enfin, c'est pas impossible, mais c'est chaud quoi. Bloom? Is that you down there? Yes, it's me, but who are... Whoa. You're Jesse Renier, sir. Splendiferous. Care to explain what happened here, Bloom? Well, I was sent here to investigate reports of a novel breed of sanguisuge. When I arrived, I encountered a group of familiars. Apparently sent here by their masters. That was a familiar? How come a human turned into that thing so quickly? Excellent question, sir. My thesis is that their transformation is linked to the blood from these creatures somehow. The how is what I'm stuck on. We better take one of those things back with us to the lab. Still beats me what those familiars were doing here. Well, from what I could gather, they were sent on a transport detail, securing a convoy of carts filled with some curious, wriggly little creatures they brought from McCallum's sawmill. We need to check that place out. Alors, je suis pressé de savoir pourquoi des humains se transforment en créatures, là, en familiers, comme ils les appellent. Oh oui! Oh, le bar! Oh, je veux un whisky. Donnez-moi un whisky. Alors, regardez, on voit un reflet. Bon, c'est pas très bien fait, mais il y a un reflet. Where are you off to in such a hurry? Bar run out of whiskey? Jess, when we dragged your dad in here, there was an awful lot of blood on him. He'll be fine. Bastard's too damn stubborn to die. I've seen my share of battle wounds. The ones William got. No way even half of that came out of him alone. Somewhere between the falling airships and hopping boohags, I don't know. Could be that collateral damage wasn't the tick's only objective. Could be they infected him? No. No fucking way. Jess, hold your horses and just think about it. The Institute is infiltrated, and they let both you and William walk away? Jess, when a tick turns a familiar, they form a sort of bond. The sire can see into the servant's mind. Now, they make that link with, say, the man who developed that weapon you're carrying. Edgar, our orders are clear when folks get infected. Infected means dead. Those are his own words. Breathe. I've got an idea. Remember that crap I brought from Lake Morapass? That plant that was supposed to be a base for a cure one day. I'm not gonna gamble my father's life on some swamp nerd's magic potion. It's not like we got a handful of aces here, Jess. Tabano and his lunatic spawn had taken the fight to us. And I sure as hell don't want to go to war without our general. Do you? All right. The plant might be back in the manor's ruins. I'll go check if there's anything left of the lab, and you... I go. You need to take care of the gauntlet. I don't give a flying fuck about the gauntlet. I'm not sitting on my ass while my father grows a new set of teeth. And no one asks you to. But if I fail,
you and that gauntlet will be the only thing between us and a war we can't win. I got this, okay? Just keep an eye on that nosy lady doctor. And stay close to William, just in case I don't make it back in time. Je suis persuadé là que notre pote va échouer et qu'on va devoir nous-mêmes récupérer la plante et le sauver au passage. Putain, ce genre de musique là, putain, oui, oui, oui. Ça, c'est le western que j'aime, ça. March. Il est où le pianiste là ? La pianiste, pardon. Bonjour mesdames ! Ça vous dirait de venir dans la chambre ? Pardon. Amelia's glad you brought Bloom back in one piece. They're waiting for you in her lab. Y'a rien à ramasser là ? Bon. C'est quand même un sacré passage secret, ça. Good to see you back, sir. Be careful there, Mr. Rentier, sir. Verge is work. Alors, je vous parie combien qu'ici, il y aura des PNJ qui nous permettront de... Ah bah il est là. C'est lui qui va nous améliorer notre arme. Lui, vous allez voir qu'à un moment donné dans le jeu, il sera ici et on pourra interagir avec lui pour avoir des améliorations spéciales que lui seul peut nous faire. Attendez, excusez-moi, je fouille un peu. Il y a des choses là, c'est sûr. Regardez ça. Je peux descendre, allez là, je vais descendre. J'aime bien tout fouiller, moi. Ah, mais on avait déjà tout fouillé ici, non? Putain, j'avais raté ça. De l'argent, je prends de l'argent. Bon. That's what worries me. It's not something you can orchestrate overnight. We've been fighting each other for centuries. Like every other creature, they change over time. Until recently, the Sanguisuge reproduced by turning their familiars. A slow, but effective process. Now there's this new breed. Popping up like rabbits. They're fierce and resourceful, but still not anything we can class as an evolutionary step up the ladder. If anything, they're a step backwards. Mindless and bloodthirsty. They're cannon fodder. This is DeBono's idea of an army. Humans turned to minions, or whatever foul blood beasts they'll end up being. Foul blood? Precisely, sir. Splendiferously observed. Well, I guess to know for sure we have to investigate McCallum's sawmill? McCallum's won't be an easy nut to crack. Without a working gauntlet, we can't penetrate its glamours. Guess it's high time to check up on our resident genius. God. Why do I have to be such a pig? Paper, paper everywhere. I can't find shit in here. Oh, hi! Holy moly, where are my notes? As we all know, Faraday's mutual induction phenomenon. Virgil, take it easy with the jargon, please. You're talking to a field agent. Diamagnetism, polyphase system. You sure you don't want to hear my radiography joke about... never mind. Here it is! Long story short, I reverse-engineered the disruptor mechanism and identified the problem. Its energy consumption is off the charts! Best engineer in the Institute, huh? Well, before you jump down his throat, perhaps we can give Virgil a chance to explain himself.
Miniaturization has its limits. If you want a working disruptor like this, you have to accept the fact that it won't be, well, portable. Like Amelia so kindly pointed out, I'm a field agent, as in I go out in the field. If the gauntlet's not portable, it's useless. I don't mean to put your ass over the fire, but... Apparently you do. But if we don't get it running, we're all done for. Can you make it work? Well, maybe if I could somehow get my hands on some spare coils from the original disruptor. Done. Where can I find them? L'avant-poste isolé de tir. De lire, pardon. I got reports about a visual anomaly in a mining town called Baxter. It turned out to be a glamour. Director Rentier sent me there to deliver a crate of heavy electrical coils. They were designed to help our engineers disrupt the illusion. Unfortunately, before the team could collect any relevant data, the cell was destroyed by the ticks. Whatever they were hiding must have been important. They left. Putain, ma clope électronique est vide. Je viens de me cramer la gueule là. Just look for a miniaturized electrical resonance. Okay, that's not gonna work. Pack your shit, kid. We're out in five. Attendez les gars, je recharge vite fait ma clope. I'll go down first and clear the way. Try not to get killed or Blackwell skin me alive. Roger that, Mr. Jesse. Voilà. Attends, j'ai pas vu qu'elle était vide, j'ai tiré une taf dessus. J'ai eu un goût de cramé tout dégueulasse. Ah voilà, là c'est beaucoup mieux là. Bien. Faut que je l'escorte lui ou pas, non? Non, il va rester là. That's some heavy machinery there. Wonder if I can get it working. Aziz, lumière. Bonsoir. Non, mais comment t'as fait pour téléporter ici, toi? Transported them somewhere down those rails. But look what our agents left behind. Huh? I'm gonna take it for a test drive. Thanks. Les clopeurs. Cet appareil électrique produit des décharges électriques qui neutralisent et électrocutent temporairement les ennemis, mais qui sont parfaitement inoffensifs contre les humains. Nécessite un peu de temps pour se recharger entre les utilisations. Appuyez sur Y pour l'utiliser. Même pas besoin de fermer les yeux. Essayons ça. Oui. Il fixe ça. Oh.
Là, j'ai raté la parade. Franchement, là, le coup avec Y pour flasher tous les ennemis et les électrocuter en même temps, c'est magnifique. C'est vraiment le truc qu'il me fallait, quoi. Un médaillon. Bon, du coup. Est-ce que, à votre avis. Down those rails. And how would I do that? There's gotta be another way down. Je pense qu'il faut que j'aille là. Je vais tester un truc. Est-ce que. Faut juste que je le pousse comme ça. Là, du coup, il faut que j'aille là. Donc, il faut que je le repousse jusqu'au fond. J'ai arrivé à une heure là, j'avais pas fait attention au temps. Santé en plus. Ça c'est comme Halo, j'ai l'impression tu ça te met un bouclier en plus de ta santé. Nice.
Mais comment t'as fait pour aller là? Non mais ça par contre. Bon, je sais bien, c'est un jeu vidéo, machin, mais c'est illogique. Le mec, il était en bas. Il nous a filé l'accessoire là qu'on a pour aveugler tous les ennemis. Nous, on galère à pousser des wagons, à activer des interrupteurs pour faire un pont, pour passer. Le mec, il est déjà en haut. Mais comment il a fait? T'es passé par où? Course is not working. Luckily, you have a faithful sidekick who can kickstart that thing. Bah, bien sûr, il a juste tapé dessus. Des ennemis, bon. On se les fait. Et on s'arrête là. Ils sont rapides, j'arrive pas à les parer correctement. Merde, je suis encore trompé de touche. A chaque fois, je veux recharger mon arme. Alors que ça se recharge tout seul. Ramenez-vous. Voilà, magnifique. Bon. Eh bien, écoutez les mecs, sur ce, on va s'arrêter là pour l'épisode 3. Il me semble, 3 ou 4. Je crois que c'est l'épisode 3. Attendez, ouais, faut activer ça, mais j'ai d'abord envie d'aller la voir et après on s'arrête. Donc, c'était juste pour de la thune. Très bien. Bon, bah les gars, on s'arrête là. Moi, je vais enchaîner directement avec un nouvel épisode. Pour vous, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut tout le monde.